La communauté LGBTQ a maintenant une ressource en sol campivalencien grâce à l'arrivée de l'organisme Le JAG. Qu'est-ce que c'est le JAG? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le JAG, organisme LGBT+? Ben, il y a 25 ans, c'était des jeunes adultes gays, JAG, qui ont créé l'organisme. C'est des gens de l'acronyme qui avaient envie de se retrouver entre eux, d'avoir accès à des ressources parce qu'il n'y en avait pas à Saint-Hyacinthe à l'époque. Et à travers le temps, ben, 25 ans plus tard, on est devenu un organisme LGBT+. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que LGBT+ veut dire, parce que nous, on le prend pour acquis, L, lesbienne, G, gay, B pour bisexuel, T pour personne trans, et il y a le plus qui est bien important parce qu'il y a bien plus que ça. Donc, c'est l'acronyme qu'on voit un peu partout. Ben nous, on est un organisme pour tout ce beau monde-là, mais pas que pour les gens de l'acronyme. On est là aussi pour la communauté, mais les parents, les proches, les alliés, les écoles, les entreprises, toute personne qui est sensible à la diversité. Cet organisme-là a pris naissance à Saint-Hyacinthe, mais on est maintenant un organisme régional, donc pour toute la région de la Montérégie. Il y a 1,5 million de personnes en Montérégie. Moi, dans ma tête à moi, c'est 1,5 million de personnes qui, de près ou de loin, est interpellée par notre mission. Situé au 107 rue Jacques-Cartier à Salaberry-de-Valleyfield, l'organisme offre plusieurs services pour soutenir les gens de la communauté LGBTQ, mais également leurs proches. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner toute personne qui est sensible à la diversité sexuelle et de genre. Concrètement, ce qu'on fait, on fait de l'intervention individuelle. Donc, on a une belle équipe, moi, d'intervenants et intervenantes. Les gens peuvent nous appeler, nous écrire, prendre rendez-vous pour nous rencontrer dans nos locaux. Ils peuvent même se pointer s'ils veulent. Nous, on est, la porte est toujours ouverte pour nous. On est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 5h. Donc, des heures de bureau. Et donc, les gens peuvent nous appeler s'ils ont un besoin pour eux ou pour quelqu'un de leur entourage. Mais on va également dans les écoles, on se déplace dans les entreprises, on fait des ateliers. On répond aux besoins des gens. Et si les gens veulent qu'on aille les rencontrer, on va aller les rencontrer. S'ils veulent aller prendre une marche, on va aller prendre une marche. S'ils veulent qu'on aille prendre un café, c'est ça qu'on va faire. On est sur le terrain, on est accessible et nous, on répond à un besoin. Et c'est la personne qui sait ce qu'il y a de besoin. Fait qu'on s'adapte. Qui démystifie, c'est quoi le LGBTQ? C'est du cas par cas, je te dirais, parce qu'il n'y a pas une personne qui va vivre les émotions de la même façon. Mais honnêtement, ça commence toujours par un bon bonjour, puis de se présenter, puis d'être juste sympathique. Puis c'est là qu'on va commencer à développer des liens avec la personne pour voir comment qu'on peut l'aider. Puis après, si on a la rediriger ou le diriger vers peut-être une ressource qui va être plus adéquate pour lui, on va le faire. Mais dans la mesure du possible, je te dirais que le JAG aide la personne jusqu'au bout de son cheminement. Les services du JAG se déclinent en différents volets afin de rejoindre un maximum de personnes, peu importe l'âge. On peut aussi faire de l'intervention de groupe beaucoup, donc on a plusieurs volets. On a un volet pour les ados, on a un volet pour les parents et les proches des personnes de la communauté LGBT+. On a également un volet pour les personnes aînées, puis on a un volet pour la santé sexuelle. Donc, on fait vraiment beaucoup de trucs. On fait autant de l'accompagnement individuel que de l'accompagnement de groupe. Donc, on a tout type d'appels. Ça nous arrive des gens de 40 ans qui se questionnent par rapport à eux-mêmes. Quant à leur orientation sexuelle, ils ont des questionnements. Ça fait des années que j'ai envie d'explorer. On est là pour les éclairer. On a des jeunes de 10 ans qui nous appellent puis qui disent « Je suis trans. Je sais pas comment je me sens. J'ai besoin d'être accompagné. » Et pas longtemps après, souvent le parent nous téléphone aussi parce qu'il y a aussi besoin d'être éclairé. Il me dit « Moi, je sais pas ce que ça veut dire. » Puis quand je vais sur Internet, il y a un bassin d'informations. Le JAG offre également des formations dans des écoles et des entreprises, ce qui est une excellente chose puisqu'il y a encore de la sensibilisation à faire sur le sujet. Il y a de tout. On pense parfois qu'en 2022, l'homophobie et la transphobie, c'est derrière. Je vous confirme que non. Des gens parfois qui vivent l'intimidation, ça arrive. Il y a des gens qui ont des pertes d'emploi, qui sont impactés parce qu'ils font partie de la diversité. Donc, nos appels sont tout autant différents que les gens qui le font. Il n'y a pas un besoin qui est pareil. Donc, on s'adapte, mais on constate beaucoup sur le terrain qu'il y a énormément de besoins. On est allé à l'école B. Saint-François, pour ceux qui connaissent, à l'école secondaire de Valleyfield, et les jeunes, c'est ce qu'ils nous disent, il n'y a pas de ressources. Leurs parents sont souvent dépourvus, ne comprennent pas tout, et les jeunes eux-mêmes ne comprennent pas tout le temps tout. Ils sont bombardés d'informations, puis Jacques, c'est ce qu'on fait, on éclaire. On est là pour sensibiliser, puis nous, on n'est pas la police d'absolument rien. On est là pour être positif, puis d'emmener les gens à avancer, puis c'est sain de se questionner, puis nous, on est là pour qu'ils le fassent de façon sainement, justement.
Mais oui, autant des fois on offre des formations qu'on peut aller donner l'information. Par exemple, je pense à notre volet parents et proches qu'on va essayer de démystifier l'acronyme, donc d'expliquer aux gens c'est quoi ça la communauté LGBT, puis comment on fait pour être plus inclusif, comment on fait pour accompagner justement nos proches et, admettons, nos enfants qui font partie de la communauté, nos amis, pour avoir des meilleures pratiques. Enfin, l'organisme était attendu dans la région, selon les commentaires colligés par Raphaël Provost. J'ai une belle réponse parce qu'ils me disent « il était temps que vous arriviez ». C'est ça qu'on me dit et ça confirme que ça fait que 2 semaines qu'on est là. On a déjà des demandes dans des écoles, dans d'autres organismes. Il y a des entreprises, des grandes entreprises locales qui nous ont contactés pour les accompagner. Puis je me dis qu'est-ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on est là pour rester, mais je nous le souhaite en tout cas.